sucré. Bonjour tous les téléspectateurs, je suis la seule de tout le plus. Je dis bonne heureuse année à tous et à tous. Je profite ce soir, cette émission que nous appelons Gourmet Sucré. Dans le Gourmet Sucré, nous avons les paroles tous. Nous avons les paroles qui doivent unir le monde. L'émission de la seule heure, ce n'est pas une émission pour séparer. Donc, venez à mon émission. Regardez toujours à partir de vendredi 22h. Vous allez voir la seule heure en direct avec le Gourmet Sucré. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Je suis vraiment surpris d'avoir l'artiste là aujourd'hui. Merci, bonjour. Maman. Bonjour maman. Oui. Moi c'est Roma Chiaya. Roma Chiaya. Thomas, tu dis comment on danse ça même? Chiaya. Hey, si vous voulez. Ah non. Là c'est vraiment, tu as vraiment frappé. Bon, parce qu'il faut chanter pour dire quelque chose. Mm-hmm. Il faut chanter aussi pour faire oublier certaines choses à certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des idées, qui sont là, ils sont paniqués, tu les vois, ils marchent dans la rue. Mais quand j'ai vu un vieux un jour, j'ai passé vers 16e là-bas. Et puis je vois ton morceau jouant comme ça. Et puis il faut voir le vieux, il a déposé. Il a commencé à faire ça. J'ai dit, mais c'est quel morceau ça là encore? Donc allez là, vraiment aujourd'hui, mm-hmm. Nous on est fiers de te retrouver au moins. Dans merci notre maman. Émission ici, parce que le gourmet sucré chez moi, là, je prends les gens vraiment, parce que regarde comment tu es habillé. Moi, je suis âgé, mais je suis en yoyi, mais vraiment, tu es propre même. Vraiment, merci parce maman. Parce qu'un artiste, quand tu es propre comme ça, là, ça ouvre les portes. Amen. Mais quand un artiste, tu es là, c'est là, on te dit, pardon, il faut aller changer ton habit, là, c'est pas bien. Quand tu es propre, là, tu peux rentrer partout. Donc, je vous écoute. Ok, maman. Alors, je suis là pour vous parler d'un gourmet vraiment très, très, très typique. Ah oui. Oui, c'est le gourmet de, on peut dire, mon grand frère. Mm-hmm. En fait, c'est un gars, il s'occupait très, très, très bien de sa femme. Oui. Ils avaient de petites activités qu'ils faisaient ensemble, c'est-à-dire des coins de sonorisation, des locations de chaises, de barges, tout et tout. C'est-à-dire, la fille était vraiment à l'aise. Oui. Mais arrivé un moment, elle a dû le laisser pour aller faire un autre foyer. C'est-à-dire, foyer dans foyer. Mm-hmm. Elle était avec lui, puis elle allait créer un autre foyer. Oui, mais elle le faisait croire que Jean, elle était toujours avec lui. Mm-hmm. Elle lui a simplement dit qu'elle partait à la maison. Restez un peu avec maman. C'est dans rester avec maman là. On apprend qu'elle est enceinte. La grossesse, c'était pour ton grand frère ou bien c'était deuxième foyer là? C'était deuxième foyer là. Oh là là! Donc elle a préféré s'enfuir pour rester avec sa maman. Donc quand mon grand frère a pris sa mari qui l'a pris ça au fait, lui il était toujours avec elle. Il dit c'est pas grave. Non, quand l'homme aime, il n'y a rien de tel. Ah. Quand tu veux, là, même si elle a grossé des 6 enfants dedans, même là, quand l'homme veut, lui, il s'en fout de tout ça. Voilà. Mm-hmm. Il, c'est pas grave, il est parti. Il a suivi la fille un peu partout parce qu'elle essayait de le fuir, en fait. Elle partait dans les villages pour se cacher, on peut dire. Mais lui, il partait là-bas. Marie, qui ne connaissait pas les villageois, il partait, il dormait dans le village. Il demandait assistance aux gens pour pouvoir dormir. Avec ça, elle le chassait. Il partait voir les parents de la fille, demander pardon, tout et tout. Ah, c'était comment? Ah, j'ai dit. Et puis mon enfant était devenu fou. Maman, il était traumatisé. Jusqu'à présent, il est traumatisé. Il en fout d'elle. Ah, il l'aimait même. Mm-hmm. Il l'aime toujours, je peux dire. Donc, Marie, qu'il a tout fait, il a tout fait, elle a laissé. Mm-hmm. Comme il n'a pas supporté, il a failli. Il restait un peu, il allait se suicider. Vraiment, ce n'était pas. C'est un cuillement dangereux même. Mm-hmm. Là, c'est clair, maman, parce qu'on ne veut pas comprendre. Chez moi, ici, c'est la seule heure, hein, parce que mm-hmm. maman, là, c'est à la maternité. Donc, moi, c'est ici, là, c'est la seule heure de tout le plus. La seule heure de tout le plus. Moi, je vais dire ça dans mon langage, on dit la seule loya de tout le plus. Oh, ya, yeah, mais. Oh, puis, yeah. Ça fait du bien, ça. Voilà. Ok, donc, il a fallu se suicider, mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été. Mm-hmm. Jusqu'à présent, tu le vois, quand nous sommes ensemble, il fait croire aux gens qu'il va bien. Pourtant, ça ne va pas jusqu'à présent. Ça a été peut-être un peu de 3 ans maintenant. Je suis sûr qu'il ne s'est pas remis de ça. Ouh là là. Mais avec tout ce que tu as cité là, mm-hmm. il a fait tout pour la fille. Mm-hmm. Il fait tout pour la fille. Mm-hmm. Et puis, la fille ne veut plus rester. Est-ce que ton grand frère t'a dit réellement la vraie vérité? Mine de rien, ça, c'est moi, je ne sais pas. Parce que moi, aujourd'hui, bon... J'ai des grands-enfants, j'ai des grands-garçons. Mais une femme, moi j'ai toujours dit que je suis l'avocat des hommes. Hein. Mm-hmm. Mais il y a des moments aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des moments aussi, il y a des femmes qui couvrent leur mari. Est-ce que tu vois? Parce qu'un mari qui te couille bien, tu ne peux pas encore aller ailleurs. Mm-hmm. Quand le couillement est propre là, tu ne peux pas aller ailleurs. Parce qu'il faut, il n'a qu'à te dire, exemple, est-ce qu'il n'est pas impuissant? Parce que le vrai couillement, si c'est bien fait là, elle ne peut pas quitter là-bas, aller se faire couiller dans un autre foyer jusqu'à être en santé. Si c'est impuissant, ça, c'est moi, je ne suis pas sûr. Mon grand frère est très, très puissant. Je me dis non que parce qu'elle-même, elle avait dit dans ses propos que mm-hmm.
ça fait plusieurs années qu'elle tourne en rond. Parce qu'ils ont fait plus de, on peut dire 5 ans, 7, 6 ans. Hein. Mm-hmm. Elle y est, tourne en rond sans, sans avancer, au fait. C'est toujours les mêmes trucs, les mêmes choses. Sans s'avancer comment? Parce qu'ils sont là, ils font des business ensemble, oui. Ça n'avance pas, quoi. Ouais, ça avance, mais c'est pas genre, elle veut être à un niveau, au fait. Donc, maintenant, là, elle se trouve aux États-Unis? Non, jamais, jamais. Au contraire, même, elle s'est retournée en arrière, je peux dire. Ça c'est vraiment, c'est bien dit. C'est pour dire aux femmes, mm-hmm. surtout à la jeunesse, rien n'est tard sur la vie de quelqu'un. Tant que tu vis, toi, tu ne pouvais pas savoir qu'aujourd'hui, tu dois être célèbre comme ça. Justement. Et aujourd'hui, là, tu as des managers partout qui te suivent. Mm-hmm. Tu n'es pas né comme ça. Tu as appris être artiste. Au départ, on te humiliait, on ne te considérait pas. Justement. Tu marchais même à pied parce que tu avais ton objectif que tu devais atteindre sur quelque chose. Mais Dieu t'a offert la liberté aujourd'hui, tu es devenu célèbre. Aujourd'hui, je suis fier. Moi-même, il y a longtemps, mais je vois tes morceaux. Shigaya, qui chante encore Shigaya, ya. Mais voilà, même Tigaya est rentré dans ma maison. Ça veut dire que chez moi ici, là, je peux même toucher tout le monde. Est-ce que tu vois? Donc, et quand ça s'est passé comme ça, la fille, ton grand frère, est-ce qu'il allait voir la famille au moins? Il a vu la famille, il a tout fait. Il a demandé à la maman de la fille de demander pardon à sa fille qui veut revenir avec elle. Mm-hmm. Que c'est la femme de sa vie, il l'aime, il a pleuré, il a tout fait. La maman de la fille a dit qu'elle ne peut pas prendre la décision à la place de sa fille. Qu'elle a tout fait, elle a conseillé sa fille, mais sa fille ne veut pas comprendre. Elle a tout fait comment? Les mamans là, sont des traîtres. Tu as tout fait comment? Quand tu bouffais la langue du jeune, là, tu as tout fait où? Justement. Moi, je n'aime pas les gens qui ne tuent pas, qui ne sont pas corrects. Une mère ne peut pas parler à son enfant, puis elle va dire non, 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 non. Quand même, tu as passé, dès le départ, les deux gamins, ils faisaient va et vient dans ta maison là-bas, non? C'est au dernier moment, hein, j'ai tout fait. Parce que nous, les mères là aussi, là, on n'est pas correctes. C'est pour ça, quand tu es avec un homme, ta fille avec quelqu'un, son argent, il faut quitter dans tout ça. Parce que nous sommes les mères escrocs. Quand l'autre vient, si tu as donné 1000 francs aujourd'hui, demain tu donnes 500. 1000 francs, c'est lui, on considère, on parle plus à faire des 500. Si enfin des gens meurent là, c'est toi la maman là, c'est toi qui es la base des deux. Parce que tu n'es pas clair. Tu ne veux pas me dire que quand ta fille va chez le deuxième gars là, tu n'es pas au courant de ça. Tu es au courant de ça? Arrête de jouer le film de Western là. Tu es au courant de ça. C'est pas possible. Voilà aujourd'hui le gars, il est traumatisé. Il ne sait même pas parce que lui, il y a des hommes comme ça que j'ai remarqué. Quand ils sont fans d'une femme là, le reste ça ne les intéresse pas. Quand on dit souvent l'homme est bordel, l'homme n'est pas bordel. Ou bien l'homme, il est sous là, il est dans des bars. C'est pour oublier des soucis. Les bars là vont toujours exister. C'est pour oublier les soucis. Peut-être que tu es là, tu as pris ta petite bière. Tu es là, tu es seul. Souvent, mais ils mettent les écouteurs pour écouter la musique. Vous allez les tuer. Maman, ton type, vous avez commencé ensemble. Ah, ça, c'est l'heure, pas comme ça. Tout le monde a commencé bas. Tu as déjà vu, même, tu places en même temps, il a eu même. On fait sous battement, un peu, ça monte. Donc, il faut aller doucement. Au moins, si il te frappait, ou bien il te honnissait devant les gens. Mais toi, mais tu dis, comme ça ne s'avance pas. Mais c'est toi qui dois l'encourager pour que ça monte. Mais si brusquement comme ça, tu prends une partie, et la mère qui a ses dents en bois là-bas aussi, toi tu es là aussi carrément, tu dis non. Regarde-moi, nous tous on a Yopou, c'est moi qui te parle en direct. Tu peux garder mon film, c'est pour te dire qu'il faut quitter tes dents. Nos enfants là, on doit quand même les encourager qu'ils soient dans leur foyer. Ça te fait plaisir, je dis que ta fille, elle seule a eu deux maris, et puis c'est un qui a fait enfant. Elle. Donc ça veut dire quand elle était avec mon fils là, l'autre couillait ça, et puis tu étais au courant. Tu étais au courant, il ne faut pas jouer le jeu. Toi et moi, on se regarde farement, moi. Hein. Je ne suis même pas caché dans bien, je ne vais jamais me cacher. Je suis de tout le plessis du cavalier. Mon mari se trouve à l'Okwa, pauvre et à l'Okwa. À droite, là, après le premier pont, je suis là. Mon mari, on appelle ça, prends-moi par derrière. Je ne suis pas caché. Mais quand tu dis non, ça ne s'avance pas, c'est toi qui dois encourager ton nom. Il y a des moments, mais il y a des hauts, puis il y a des bas, il y a des moments, mais on n'a rien. Souvent, mes 100 francs même te manquent. Et puis tu te demandes pourquoi c'est comme ça. Et puis un coup, encore, ça vient. Parce que Dieu nous tend toujours pour voir si on peut tenir. Mais parce qu'aujourd'hui, ça a baissé un peu. Tu as fait que le gars, il dort même dans des villages qu'il ne connaît même pas. La nuit, c'est pas un peu piqué, c'est exclu là-bas à cause de toi. Et qu'est-ce que quand il a fait ça, maintenant ton frère, il est devenu comment? En fait, actuellement, bon, je peux dire que ça ne va pas chez lui. Parce que c'est quand il fait croire aux gens que ça va, mais ça ne va pas. Et souvent même quand mais je vois... Mais toi aussi, tu as cherché à croiser la fille. Hein? Elle-même, là, on cause jusqu'à présent, on cause. Mais au fait, elle n'est plus la même fille que je connaissais avant, en fait. La fille qui était vraiment jolie. Non, c'est pas beau, on mange à bien.
beauté là, tout le monde est joli. On s'en fout de ta beauté là. Ton escroquerie que tu as fait, puis tu fais semblant que non, le gars il ne fait plus rien. On s'en fout, nous tous on est jolis. Regarde mon âge, je suis aussi crépé. Tout le monde est joli. Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Vous pensez que la beauté là, c'est un masque que nous portons. Il y aura un moment que le masque sera froissé. Est-ce que tu vois, il y a pas... Quelqu'un n'est pas né vieux. On est bébé. Nous aussi, on nous a pris au dos. On était assis, on a fait quatre pattes et puis on a marché. Regarde, regarde moi-même mon film. Moi, je ne suis pas là à l'école, je ne connais pas vos papiers là. Mais j'ai épousé un pilote, M. Nyakuri Abatori Gobert. Mais bon, pendant que je disais, tu as fait quoi cette brute là? Il dit, c'est la même couille qui était dans nos films là. Si vous voulez, ne venez plus. Je n'ai pas toujours tout voir. Mais bon, pendant qu'ils ne sont pas cachés, ils sont allés rouge ici. Marie Loba, on m'a mis bien bon, elle me coûte trop. Sa grande chérie, excusez-nous, on ne parle plus de ça. On allait chez nos frères, ils disent, sa forme le cuit. Donc, le cuillement là, quand c'est bien fait là, il y a un respect. Mais quand c'est pour déranger l'enfant des gens, tu sais qu'au début, tu ne vas pas continuer. Il fallait le laisser. À cause de toi, il y a eu plein de gars qui l'ont laissé. Parce qu'ils disaient qu'ils voulaient rester fidèles à toi. À cause de toi seul, il a abandonné tout le monde. Maintenant, tu as pris son cœur, c'est maintenant que tu joues le film avec lui. Tu es dans sa maison, puis tu sois à une autre personne. Mais je pense que, voilà, ses propres frères même, eux, ils te demandent toujours pardon. Parce que ce n'est pas à cause de toi, leur grand frère va tomber. Mon fils, tiens bon. Dieu dit, ce n'est pas pour toi. On ne force pas. Les enfants chantent les morceaux, non, on ne force pas. Tu vas voir le jour, elle va comprendre que tu es installé avec une autre personne là. Elle-même là, elle va comprendre que, je pensais que j'étais seule. Parce que quand l'homme t'aime encore là, il revient fou pour toi. Mais quand ton amour de ce que tu avais en toi est quitté là, il ne va plus penser de toi. Est-ce que tu vois? Donc, le grand frère, et au dernier moment, il te disait quoi? Il continue toujours à te dire que ça ne va pas. Au fait, lui-même, il essaie de se mettre en relation avec d'autres filles, mais ça ne va pas. Toi, ton client là, c'est comment? Toi, non, fait, c'est lui-même, il laisse, c'est pas que vous dites, c'est les filles là qui laissent au fait. C'est lui-même, il veut donc, pas. Donc, tout ce que tu as couillé là-bas, là, ça suffit pas. Tous les coups que tu fais là, ça, c'est pour son couillement là seulement, quoi. Si tu es impuissant, s'il faut dire la vérité, toi pour toi, là, c'est comme un puits, ça change pas. Hein? Tu as couillé. On dit à cause de la fille là. Donc, c'est pour elle seule là seulement, c'est collé sur toi comme tampon de yeux. C'est pour elle seule, c'est pour lui seulement tu veux. Mais écoutez, prenez pas les gens pour ça, fait rien à Abidjan ici. Tu vois, pour ton seul couillement, aujourd'hui, tu es contente. Quand tu vas attendre, tu connais bien son frère. Quand tu vas le voir à la télévision, tu vas dire, ah, vraiment, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné, ma fille. C'est le diable qui est en train de te tromper. C'est le diable qui est en train de te mélanger. Tu n'as même pas gagné. Mais tu vois, le moment quand tu vas comprendre là, ça sera déjà tard. Ou vraiment que personne, tu vas venir même à tes côtés là, ça sera déjà pas. Moi, je connais Yopougon, c'est ma zone. Je suis de Yop City. Il y a des belles femmes à Yopougon. Une beauté même à se vestir à la psychologie. Mais non, pas gars. Pour un petit appel, pas que 500 francs, il faut voir 6 personnes groupées dessus. Il n'y a personne à Yopougon. Seulement chez nous, là, c'est les stars. Et regarde ce temps-là, c'est qu'il y a aujourd'hui tout le monde, tous les enfants, même les nouveaux-nés, tout à l'heure même, les enfants, le deuxième de la société, les enfants même, les bébés, 4, 5 ans, 6 ans, sont venus lui donner fleurs pour dire vraiment, papa, nous, on veut te toucher. C'était ça, il s'agit. Tu es là, tu es beau, ta beauté. Regardez beauté, là. Toi aussi, il ne faut pas chercher quelqu'un pour couiller. Il faut compter sur ça. Quand tu vas tomber là, c'est couillerique. C'est un couillerillard qui t'a fait tomber. Tu te fous de monde ou bien tu te prends pour qui? C'est quel couille ça? Que toi, depuis là, tu couilles seulement, puis après, là, finit pas dans tes yeux. Quelqu'un, on laisse. Moi, mon mari et moi, là, j'étais devenue folle, je ne me retrouvais pas. Mais à un moment, Dieu a donné un truc pour qu'on oublie. Mais pour toi, tu n'oublies pas ou bien tu es né comment? Couillement de cette femme qui veut te rendre fou. Peut-être maintenant, si je vois quelqu'un vert, belle comme ça, qui entend les bavarder tout ça, il sait que c'est toi. C'est toi, je dis, c'est le monsieur qui couille les gens, puis il cherche la femme qui l'a couillé, puis elle ne le retrouve pas, je viens te reconnaître. Parce que devant Belle, c'est là tout se passe. Je vois quelqu'un qui est joli, puis il remet sa tête en machin, il dit, voilà le couillateur qui s'en va là-bas. Il faut arrêter de faire ça, il faut aimer ton prochain. Si elle t'a fatigué, ressaisis-toi, il faut lui prouver que toi aussi, là, tu es né d'une femme. Parce que quand tu vas voir que tu parles plus d'elle, là, tu vas voir courir derrière toi, c'est parce qu'elle voit encore que tu parles derrière, là, c'est ça, elle fait son film, là. Mais chaque chose a un temps. Dieu est là pour tout le monde. Aujourd'hui, tu entends les faits, tu penses que tu as gagné, tu l'as eu. Ta phase que tu as faite dans les chigons, dans les reins, ça l'a mélangé là. C'est parce qu'il n'est pas tombé sur moi. Moi, j'ai des jets de reins plus que ça. Mais pour moi, là, ça ne rend pas les gens fous. Pourquoi on oublie tout le monde? Ce que tu avais mis dedans, ou bien c'est ton yikouya que tu as fait,
pour gâter son cœur, pour ne même pas qu'il pense à quelqu'un d'autre, fais à ça. C'est gâté ce matin, ça n'a plus de pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Ton médical, tu as fait, puis l'enfant ne se retrouve pas. Il va couiller les autres, il ne veut même pas aller là-bas. C'est toi sur ton cul, on couille là. Ton médicament est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Ça n'a plus de pouvoir. C'est gâté. Ce quand tu es attaché, puis l'enfant des gens est devenu fou là. Ton médicament est gâté. Moi, je suis la seule de trop. Je dis, ça n'a plus de pouvoir. Et quoi? C'est gâté. Donc, je vous écoute, Latisse. Donc, maman, je tenais à te dire vraiment merci. C'est beau conseil. Je sais qu'à travers ça, mon corps va se relever encore. Parce que lui, là, on peut dire c'est un fou. Comme tu l'as dit, c'est vraiment un fou. Malgré que tu as dit ça, je suis sûr que quand je vais dire que je suis venu à l'émission, j'ai parlé de ça. Tout est. Mais tout. Il va voir s'il vient demain. Il va se retourner là-bas 20, encore. 22 heures, il ne peut pas aller là-bas. Est-ce que lui va comprendre peut... Moi, je sais que je ne le connais pas. Mais moi, je me promène aussi partout. Si je ne vais pas vers le sable, si je ne vais pas vers celle, mais je suis dans les petits coins des showbiz aussi. Je vais voir quelqu'un qui est seul, joli garçon, qui est assis dans un maquis, remis sa tête. Je sais que c'est le couillataire. Je sais que c'est le couillataire qui est assis là. Je vais aller vers lui pour dire, mon fils, bonsoir. Hein, c'est vous le couillataire. Parce que là, ce n'est pas possible. Ce qu'elle a fait sur toi, qu'elle a attaché là. Quant à moi, la mère est unie. J'ai détaché ça ce soir là. Ça n'a plus de pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Tu es trop joli. Regarde ton frère de même père, mère. Regarde comment tes frères sont très jolis. Hein? C'est pas femme qui va te manquer. Il y a des gens qui sont à la recherche même pour une seule femme. Tu vas mourir pour une seule personne. Et puis, 100 millions de femmes vont t'enterrer. Ma chérie, où tu es partie là? Ce que tu avais mis, puis tu as fermé ton pied dessus là. La seule loi a détaché ça. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'es pas Dieu. Ce qui m'étonne là même. On appelait le corps au fait. Ça dit qu'aucune femme ne peut lui résister. Mais c'est pas comment celle l'a fait. Elle a attaché. Moi, je connais des femmes qui attachent. Je suis au courant de vous. Vous, les femmes, on se connaît. Il y a des femmes qui vont à la morgue, qui prennent salive de cadavre, qui mettent dans sauce des hommes. Parce que le cadavre, lui, il est mort, il ne parle plus. Il y a des femmes aujourd'hui, on les frappe, on les bat jusqu'à... Mais le soir, tu vois, le monsieur s'en va la chercher. C'est fini cette année-là. Vous, mais comment l'avez vaincu? C'est fini. Arrêtez de faire des yikbi. C'est le yikbi que tu as fait. Si ce n'est pas yikbi, mon enfant ne peut pas se traumatiser à cause de toi. C'est le yikbi. Le yikbi n'a pas le pouvoir devant Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir devant cet enfant. Mais vous êtes à du n'importe quoi. Il y a un homme qui dit, quand tu mets ici là, le gars quand il vient vers toi, ton cul va trembler. Comme si c'était un courant qui fait chose. Ton médicament est gâté. Moi, je suis la seule. Là. Et je profite aussi pour dire merci à Anne Loto, madame la ministre, qui fait du bien à la jeunesse, les artistes, ouais. Surtout Claude Romain, Kevin Decaillé. Anne Loto, merci beaucoup à tes enfants. Jean-Pierre et puis JP, mes condoléances, parce que aussi tu as perdu ta maman. C'est la seule heure. Je vous dis que le 13 vendredi prochain, allez pour Claude Romy. Il reçoit tous ses fan clubs. Claude Romy, c'est ça, on parle, on dit artiste. Mais artiste arrive, là, débardeur, tout est vert ici. Il soulève son bras comme ça. L'odeur, là, ça te donne fièvre, typhoïde. Vous, là, regardez-moi, hein, mon artiste qui vient ici, il faut être propre. Vous venez comme ça pour dire que je m'avais passé à Ivoire TV Musique, là, c'est pas chez moi. C'est que c'est pas mon émission. Un artiste doit être propre. Ce qu'il porte là, mais moi, je suis vieux, mais je suis déjà. Non, mon fils, c'est ça, on dit artiste. Quand tu viens sur scène, déjà, on va en faire des dons. Je te bénis au nom de tout le monde. Qu'un matin, on va dire que ton fils que tu as reçu ici, là, aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et encore, je vais parler aussi des taximètres. Vous, les warwaromans des taximètres, un taxi compteur, il faut être propre pour accueillir ton client. Mais taxi, même vous êtes dans les débatteurs, vos poils même dépassent vos bras. Le client même s'assoit souvent, mais capable de sauter pour l'accueillir derrière. Vous pensez qu'on est là, on vous paye cher et puis vous nous donnez des odeurs. Maladie qui arrive, tu veux vous les personnes qui envoyez ça. On est fatigué de vous. Vous nous prenez pour qui? Parce que quoi? On monte avant taxi, tu arrêtes un taxi. Souvent il est affreux, mais il n'a pas fait shampoing pendant 20 ans. Quand il ouvre la porte, mais il a déjà fermé, il a démarré, tu ne peux plus descendre. Les taximètres là, appuyez-vous correctement. C'est des clients que vous recevez. C'est des hommes que vous prenez. Hein? Il y a des clients, mais il y a des taximètres, souvent il est dans Boubou. Boubou marocain qui n'est jamais lavé. Hein? Toi, mais quand il ouvre la porte, c'est la poussière qui t'accueille. On n'est pas là pour ça. Un compteur doit te faire. Si tu es propre, je monte dans ton taxi. Tu n'es pas propre, la seule homme ne monte pas dans ton taxi. Donc, mon fils, okay. Pour moi, c'est comme ça. Parce que là, il faut que ce que les gens ne peuvent pas dire dans ce monde, il faut qu'on en parle. Voilà, parce que je sais que toi, au moins, je te respecte. Parce que au moins, tu es venu
à l'antenne, tu es venu avec plein de malanguais qui t'ont soutenu. Mmh. On sait que tu n'es... Parce que en principe, c'était ton malanguais qui devait parler. Mmh. Mais comme chez moi, c'est le concerné qui parle. Mmh. Sinon, en principe, c'est ton malanguais qui on devait lui donner la réponse. Et puis, toi, tu devais parler. Mais comme tu parles, je suis d'accord. Parce que tu expliques le gourmet de ton frère. Mmh. Tu es un grand monsieur. J'ai vu Akissi, la malanguais qui est derrière. Je la connais depuis Yopougon. C'est une grande dame. Et puis, ce n'est pas vos malanguais qui marchent à pied là. Hein. Eux, ils ont battu, qui déposent les artistes. Il y a des managers qui viennent ici, ils sont dans, chez les gars, mais ils prennent un tas de café, on lui demande, il dit non, je suis manager. Est-ce que le café de gars là, il a fait des managers là-bas? Il faut payer ses 250, il dit manager. Du neuf, on vous connaît à l'époque, hein. Vous partez souvent, il y a un guerrier de tous les plats de chez moi, il finit de manger plat de gens, on lui demande, il dit non, artiste. Laissez ça, chez moi, vous me connaissez, il n'y a pas artiste. C'est artiste qui a fait pour les balles. Donc, taximètre, comptez où? Woro, woro, surtout, je pour moi-même là. Woro, woro de là-bas, vous aimez ça. Vous prenez souvent comme les habits de Yopougon sont moins chers, à coûter à des tricots de 100 francs, vous les portez sans même un petit parfum de 50 francs dessus. Là. Votre odeur ne donne pas fière, tu veux aller à la poussière. Souvent, il y a les taxis qui ont les serviettes de Gbagbo sur leur cou. Là. Lavez ça. Koudou, quand lui, il met là, c'est tout blanc. Mais quand vous mettez à cette couleur là, c'est kaki. Ou bien c'est du blanc, vous mettez sur votre cou. Hein. Tout ça, souvent, mais tu ne fais pas attention. Un taxi même qui fait des drosses dans ta scie, pardon, il faut attacher foulard. Faut pas que le cafard un jour va tomber derrière là. Parce que le cafard de Tassi, ça là, y a pas piqué de ça ici. Piqué de cafard de Tassi, c'est en France. Il n'est même pas propre. Hein? Je suis simple, mais quand il a, c'est Bagbo qui a la mode, quand lui il porte pour lui, il est en train de conduire. Mais logique qu'il se trompe un peu, qu'il se met pied là. L'odeur va faire prendre l'odeur qu'ils ont brisé à goûter qui n'est pas bien fumé. Vous êtes sale, hein? Si vous ne voulez pas vous arranger, arrangez-vous. C'est très important. C'est à cause de votre saleté là que vous fuyez. C'est pas possible. Souvent, il y a des taxes, mais toute la journée, il a travaillé. Il va même pas se laver, il s'est endormi. Quand même, c'est enfant des gens qui dorment avec toi. Et c'est toi qui aimes caresser. Quand tu soulèves ici, elle est obligée, parce qu'elle n'a pas les moyens, elle est obligée de prendre son nez là pour coller au bel coussin. Parce que tout sent, si tu ne peux pas dire, mon mari, tu sens. Il faut lui dire, il sent. Un mari qui sent, on doit lui dire que tu sens. Vous êtes là, vous êtes vous voulez les gens, vous ne pouvez pas être propre. Retenez la propreté. Moi, j'ai aimé un jeune bagaman. À Yopougon, à Bobo, vers Jean-Amérique d'Abobo, l'enfant, quand il n'est pas encore arrivé, les clients, même tout le monde attend. Il a un costume, cravate. Son chauffeur, le chauffeur aussi propre. Quand il vient vers lui, papa, il faut monter. Papa, il y a un monsieur qui dit, mon fils, tu seras béni plus que ça. C'est ça, tout, c'est de ça qu'on s'agit. Même si tu connais bien à Yopougon, il y a un jeune qui vend les trucs, il est toujours sapé, il a des cravates. Tout ça, il est propre. Ça donne même l'envie de payer ce qu'il vend. Quand tu es tassimé, tu tiens là, ton tassis est sale dedans. Quand je suis en blanc comme ça, que je te regarde, tassimé, s'il vous plaît, j'ai rien dedans. Ah, mon frère, il faut pas dire. Parce qu'il ne faut pas me salir. Il faut aller pas. J'ai payé, puis être sale encore. Et toi, quoi, là, il y a bien. Il faut partir. Rendez-vous propre. Et puis, savoir parler aux clients. Après, les tassimé, c'est les bakaman. Vous pensez que c'est fini, quoi. Les bakaman, là. Quand on monte dans vous, au départ, quand vous venez prendre vos clients, vous, les enfants qui prennent les gens dans le bakala, là, respectez vos mamans, respectez les clients, même si c'est un jeune comme vous. C'est ton argent que tu cherches. Hé, hey, gars, vous là, si y a pas l'argent, moi, je m'en fous de ça. Je veux que vous à ça. Moi, je m'en fous de vos conneries que vous faites là. Bah, tu m'as donné 1000 francs. Est-ce que moi, il y a un moyen de fabriquer ça? Comment? On parle pas comme ça. Nous tous, on a été nyambro aujourd'hui parce qu'on a vieilli. Tu vas parler de quoi? J'étais donné mes 300 francs. Donne-moi mes 50 francs. Il y a un pas, mais il faut descendre. Il allait te suivre, tu as donné ma monnaie. Par contre, les petits baramans, vous êtes impolis même. Quand vous voyez les gens, puis le patron, il est au courant de ça, il est là, il regarde, il ne dit rien. Souvent, ils voient l'argent des gens. L'argent des gens, vous partez avec ça là, souvent, c'est pas bien. Pour 100 francs, il peut te maudire, puis tu vas avoir tous tes problèmes. Vous ne savez même pas où le malheur quitte. Une mère qui te dit, ah, mon fils, tu as ma monnaie. Mais il faudra me dire ça avant de monter, si tu as besoin de wouroulou pour ça. Si c'est ça, il faut brasser, moi, dégager, c'est pas ça. Il faut arrêter ça. On fait pas ça, mon fils. Les parents sont vos dieux. Dieu peut pas descendre, il passe par l'homme. Par l'homme, et puis voilà ton Dieu, ton père et ta maman. Un enfant qui respecte une mère, un père, il est toujours béni. Mais pour vous, c'est fini. Oh, que si elle ne paye pas, oh, dégagez. On s'en fout de tes sangs, on va coller ton mort, on va embrouiller les gens. Il dit, ton man, crica, si tu donnes pas la main, il roule dans ça. Arrêtez. Vos vagabonds, nous, souvent, on peut parler comme ça. Vous avez compris, donc, c'est la seule heure de tout le plus. Donc, respectez des clients. Quand vous voyez comme ça, non, ils sont vieilles. On a été jeunes pour être vieux aussi. Sinon, on veut se nyamourou là. On peut faire ça. Une fois, il était sapé. J'ai pris un bagage, il est descendu. Il dit, t'as un chauffeur. Je bras. Il dit, la vieille, elle est rentrée dedans. Il dit, bras. Nous tous, on peut dire ça. Mais quand tu es âgé, il ne faut plus faire comme tes enfants. Sinon, nous-mêmes, on connaît ça.
respecter des clients. Souvent même, ils prennent des portails, ils vont taper, ils ont tapé un vieux jeu, il est tombé au sable. Puis le, là, continue, tu as continué, mon fils, c'est pas bon. Ce n'est même pas bien. Respectez, faites comme le blanc. C'est un blanc qui est ici, à Yuba TV. Un blanc, il s'abaisse à tout le monde. Bénédiction, quand tu bénis tout le monde, tous les enfants, ça prend. Ce n'est pas seulement ce qui t'a mis au monde. Ce n'est pas ce qui t'a mis au monde seulement. Hein. Si on te dit, mon fils, merci, il faut te dire que tu es déjà béni. Mais un enfant qui insulte une mère, mais c'est bon. Si tu insultes ta maman, tu frappes ta maman, c'est une bonne chose. Tes enfants vont te frapper aussi. Tes enfants vont te frapper. Tes enfants vont t'insulter. Quand on dit allons chez Dieu, qui connaît là-bas? J'attends de voir quelqu'un, ma voisine, elle a un jour comme ça. Moi, à partir de 2h du matin, c'est là mon sommeil est doux en moi. Là. C'est dans ça, elle vient. Allez, Satan, sors de ce corps. Allez, sors, ce corps n'est pas à toi. Madame, bonsoir. Elle ne me répond pas. Il a dit, Satan, mais il faut le respecter quand même. Toi-même, 2h du matin, pourquoi tu n'es pas au bureau? Tu le rends pas, c'est irresponsable aussi. À 2h, c'est quelqu'un camion qui roule. 2h du matin, tu vas chasser quelqu'un. Il faut le respecter quand même. Tu as dit à Satan de sortir à 2h, si on l'attaque, Satan peut porter plainte contre toi. Parce que c'est une agression. Tu le vides comme ça à 2h du matin. Carrément, il ne faut plus me déranger. Moi, je suis là. Parce que quand tu dis Satan, sur la main, j'ai 2 pièces. Il va demain se barrer où? Toi, au moins, qui a 4 pièces. Et là, ramasse Satan, il va porter une plainte contre toi. Et tu sais à qui tu as fait? Depuis ce jour, ils font plus du bruit. Ou toi, ton sommeil est douze. Ah, Seigneur, dit, Seigneur n'a rien dit. Vous ne le connaissez même pas. Tu ne sais même pas où il habite. C'est vous toujours. Il a écrit un seul mot, et c'est le reste là. C'est les hommes même qui ont rempli. Dieu dit, on n'a qu'à s'aimer. On ne doit pas. Tout ce qu'on entend de faire sur la terre, ça, ce n'est pas le mouvement de Dieu. Dieu n'a jamais dit que quelqu'un n'a qu'à se battre. Dieu n'a jamais dit que quelqu'un n'a qu'à escroquer son ami. C'est nous, maintenant, caractère qu'on a, on a appliqué sur la terre. Sinon, ce que Dieu a envoyé, il n'a pas dit ça. Toi, tu me laisses pas dormir. À mon âge, je dois me reposer pour que demain, si ma mort arrive, je m'en vais, c'est toi qui dis, allez, Satan, sors. Ce corps-là ne t'appartient pas. C'est un corps étranger. J'ai dit, bon, comme il est étranger, là, le Satan, c'est à 4h35, le gbaka roule. Lui, il peut prendre 1000 gbaka. Tu attends et tu as fait partie de ton truc. Donc, vraiment, il n'y a même pas de problème pour ton fils, là. C'est ce que je dis à la jeunesse. S'il y a des filles qui ne peuvent plus vivre avec un homme, dès le départ, il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas le faire espérer. Tu le fais espérer comme ça. Non, je vais de toi. Non, je vais faire ça. Au départ, c'est parce que c'est le départ qui compte. C'est ça, j'ai dit, les hommes, ne laisse pas trop aller par une femme. Parce que les femmes, on est maso. Elles adorent quand on les maltraite. Quand tu prends une femme bien là, elle ne te respecte pas. Mais quand tu la maltraites là, elle te suit comme ça. Ce n'est pas bien. C'est parce qu'au départ, il a dit, ah, moi, je vais être sérieux, j'aime ma femme. Mais quand il n'a pas à manger, il préfère qu'elle mange. Quand elle appelle qu'un nom chéri, aujourd'hui je n'ai rien sur moi, il est paniqué. Pourquoi sa chérie va lui dire qu'il n'a rien? Mais ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas des moutons. Respectez les hommes. Et vous, les belles-mères qui sont derrière, quand vous avez un nouveau gars qui vous présente tout le monde, ils sont contents. Est-ce qu'il y a même des mamans là? C'est à Yopougon, c'est là-bas nous on est. Elles aiment trop sa nouveauté. Mais nouveauté là, tu as toujours fait des gens, tes enfants ont toujours créé des gens. Est-ce que tu vois? Donc, elle a déjà fait enfant là-bas, non? L'enfant à quel âge? Il peut avoir maintenant 1 an et demi, même 2 ans. Ah, mais sa mère ne peut pas dire que l'enfant, son papa ne vient pas dans la cour. Non. Elle ne peut pas dire ça. Il faut dire à ton fils, à ton grand frère, que la seule heure de tout le peuple dit, si tu crois ton Dieu, c'est lui seul qui va enlever ça dans toi. Faut écouter. C'est lui seul qui va enlever ça dans toi, mon fils. C'est lui seul. Laisse, il ne faut pas te traumatiser. Parce que quand elle te voit que tu n'es plus dans toi-même, là, elle ne se retrouve pas. Tu prends la vie de bon côté. Elle-même, elle va voir. Elle va voir. Parce que tu ne l'as pas chassée. C'est dans son couillement. Elle était avec toi. Elle couillait ailleurs. C'est dans ça qu'elle est partie. Si ton petit frère est venu sur l'antenne, qu'il en parle, ce n'est pas un mal. Mais c'est pour te dire que nous, on n'est qu'à venir aussi auprès de toi. Pour te dire, il faut oublier. Elle n'est pas la seule femme. Il faut que tu oublies. Il faut oublier ça. Parce que là, ce n'est pas joli à voir. Hein? Pour une seule personne, tu meurs, tu sais, c'est 1000 personnes qui vont t'enterrer. Ce n'est pas une seule personne qui va t'enterrer. Et pour une seule personne, tu vas te déformer même, tu ne te retrouves même pas. Tu vois ta propre femme, on l'embrasse. Tu es sérieux, il faut te calmer. C'est parce qu'elle voit que tu entends, prends partout, c'est ça, elle fait ce film-là. Tu ne t'occupes même pas. La honte, là, souvent aussi, ça peut tuer quelqu'un. Mais comme tu t'es battu, tu ne devais pas te battre. Tu lui as dit bonsoir, monsieur, dame, puis tu quittes. C'était encore mieux, parce qu'elle ne pensait pas que tu pouvais l'attraper comme ça. Donc l'amour, souvent, mes enfants, nous tous, on a été amoureux. Nous tous, on a aimé. Nous tous, on a vécu avec des hommes. Mais ce comportement-là, moi, je n'ai pas fait ça. Et je reconnais devant Dieu que je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça.
Je n'ai pas du tout fait ça. Aujourd'hui, tu demandes à colonel Koulibaly, le PCADR, il me connaît. Il va dire, je connais la seule homme, madame Yankouri, on me connaît. Je, la manière dont je parle, là, c'est comme ça, même je parle chez moi, là, je ne cache pas. Quand je vois mes enfants, souvent, ils sont couchés, je tape à leur porte. Quand je ouvre, après des choses, je regarde que là, si ce n'est pas bien de vous, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, qu'est-ce que tu cherches en bas de moi? Il dit non, pour voir. Parce que vrai garçon, mais quand ta main tape là, quand tu te lèves là, ça doit faire coup. Il dit, mais est-ce que tu es ma gopie, ça va faire coup? Il dit non, il va voir. Parce que souvent, il y a des queues souvent qui sont couchées, si ça ne marche pas. Donc mes enfants, ils me connaissent. Bonne fête à Eric, mon fils, du côté de la BAE, avec Gay. Gay Lumière à la BAE, bonne fête à vous. Bonne fête à Yannick, mon fils, du côté de Guingois. Bonne fête à mes enfants. À Nyankou Boris, il vous dit bonne fête. Et c'est la seule lore de tout le pleu. Ok, bonsoir à tous. Rebonsoir à ces Romouya Chiyayouya. Tous mes vœux sincères. Santé, prospérité, longévité, tout ce qui est voué dans votre vie. Oui. Ok. Ah, donc, pour cette année, vraiment, tout ce que je peux demander aux jeunes, dans les couples, ce qui doit primer, c'est la confiance. Il y a la seule là qui a tout dit, vraiment odieux. Moi, je me suis renseigné, je m'attendais pas à ce genre de truc. Elle m'a vraiment conseillé. Je me suis marré aussi, mais c'est, je riais, mais je prenais des conseils. Donc, tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de suivre l'émission Gourmet Sucré. Parce qu'avec Gourmet Sucré, tu peux vraiment, vraiment, vraiment te renseigner, te conseiller toi-même. Parce qu'on ne sait jamais. Toi, tu crois tout connaître, qu'on ne connaît pas tout. Elle s'y connaît. Donc, c'est là qu'on est. Gourmet Sucré. Ouais. Regardez ça tout le temps. Même merci d'avoir. Ce sera mon émission toute la vie. Donc, merci à vous. Ouéa. 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 Il dit cette année, il faut que ça soit une année vraiment bien pour tous ceux qui ont cherché du boulot, tous ceux qui ont déposé leurs papiers partout, que cette année, qu'ils vont avoir un bon résultat. Et avec le Gourmet Sucré, vous allez attendre plein de choses, plein de bonnes choses. Avec le Gourmet Sucré, chaque soir, à partir de vendredi 22h, vous allez voir la seule en direct. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vendredi prochain, à 22h.